Toi, ce matin avec Stéphane, ouais. On a attaqué ici. D'accord. Et on a fait que les 100 mètres. D'accord. En fait, plutôt au milieu de rivière à la bordure. Ah ouais. Et en fait, le matin, tout ça, c'est à l'ombre. Donc en fait, c'est pour ça que je voulais qu'on vienne tous les deux pour voir un peu toute cette bordure-là. Ouais, qu'on essaye de prospecter cette bordure. Vous n'êtes pas passé au-dessus de la chute? Non, on n'a pas eu le temps. Alors, on a remarqué que le parcours est tellement beau, tu m'étonnes. Il y avait de l'activité, ouais. C'était éparse, mais tu avais 3 minutes de gommage, ouais. 5 minutes de calme, tu avais un poisson à faire à vue. Ouais. Toi, c'est... Là, par contre, toi, là, sur les tuffes, là-bas... Ouais, il m'a semblé voir un peu... Regarde, tu vois la queue, là. T'as vu, il y a les trois petites... Moi, je t'annonce, il y en a quatre. Il y en a quatre. Ouais, je pense, j'en vois au moins deux sur, et un troisième. Et oui, il y en a un, deux, trois, peut-être quatre, ouais. On va peut-être démarrer sur le fond. On démarre sur la bordure. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et en fait, parce que en fait, tu vas être accéléré par le courant ici. Ouais, exact. Donc en fait, sur la bordure. On va se caler sur la bordure. Alors moi, je t'annonce, il se peut très bien que dès qu'on aura posé une nymphe, ça va se. Il est possible, ouais. Il est possible. Ouais, mais ouais. T'as quoi toi en montée? Écoute, là, j'ai fait une petite. Toi, j'ai mis. Ouais, mais je pense, j'ai peur que non, ce soit un peu essaies, gros. Non, mais c'est ça, moi, je suis en sèche. J'essaie ça. Il y a du fond, il y a du fond. Il y a un peu de fond, remarque, un peu d'eau. Ils sont on remarque, t'as vu, on est dans quoi? On est dans 80 cm. 60-80. Hein, c'est ça à peu près. Lequel tu veux pêcher? Écoute, on va regarder. T'as vu, il y en a un qui est sur la droite, le premier à droite. Oui, là. À droite, hein, il est plus dans la cuvette, dans la petite cuvette. C'est plus actif. Hein, ouais. Essayer de faire après, celui-là. Il faut au moins en faire un de l'équipe. Ouais. Parce que les autres sont plus durs. Hein. T'as vu, ils ont décalé légèrement vers l'avant. J'ai décalé le tir. Il y a un beau gobage au-dessus. Moi, tu sais quoi, je serais presque allé taper en sèche. Ouais, je pense que là. Attends, change de sèche. Vas-y. Ta canne en arrière. Faut vraiment que tu ta canne vraiment ouais, en arrière. Tout, je la mets comme ça derrière. Comme ça. Alors, ils monteront pas en sèche normalement. La cuve, mais pour autant. Il faut trouver la nymphe qui leur va. Hein. Ah, j'ai remis une petite. Faut que tu changes de nymphe. J'ai passé un petit truc un peu olive. Je suis en train de remettre un petit truc un peu olive sur la couleur du fond.
Voilà, on va prendre un petit truc comme ça là. Ça devrait le faire, j'espère. On verra. Ta canne, elle est pas en l'air ? Non, non, c'est bon. Attends, ça passe bien. Une tentative en nymphe. Allez, vas-y, réessaye. Attends, ça. C'est bon, qu'est-ce que c'est ? Ouais, non, non. On a attrapé non, la. Non. Il passe dessous. Ah, c'est bon. Moi, je verrais celui du en haut à gauche. Dans la main, la pellicule. Alors, il faut vraiment que tu cibles le en haut à gauche. T'as trop de soie, mon gars ? Ouais, j'ai trop de soie, là. Il est venu voir. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu sors, enfin, moi personnellement, je te le dis, hein, tu sors beaucoup trop de soi pour ce que tu, où tu veux aller. Et en fait, et tu es comme ça, il faut aller un impact à 1m50 devant ton poisson. C'est comme ça que nous, on voit à peu près les choses. Hein, mais... Toi, tu les impactes plus comme ça ? Tu descends la canne. Faut l'emmener là-bas au fond de ta canne. Tu bloques à 10 heures. Voilà. Et là, tu détends ta pointe parce que tu lâches en même temps. Possible quand même. Ce matin, ils m'ont fait le même coup. Ils m'ont fait la même tournée. Pourquoi tu bloques en l'air ? Ouais, j'ai bloqué trop. Non mais pourquoi tu bloques Je sais pas, j'ai bloqué trop. Eh merde ! Il a pris, hein ? Tu crois qu'il avait pris ? Ah bah il l'a pris. Il l'a pris, ça je te garantis, il a frissonné et il s'en est débarrassé. Le dernier. Dans ta canne. Dans ta canne. Je vais comprendre quelque chose. Arrière. C'est soit un baligne. Donc là, regarde, tu bloques à 10 heures. Là, tu vois, il a donné un petit coup d'œil, mais c'était pas flagrant. Ouais, super, là. Là, il passe sur le travers. Ça, il prend. Top ! Ouais, super. Voilà. Mais t'as vu la différence du posé ? Ah ouais. Tu peux pas avoir ta soie qui se pose avant ta mouche. Magnifique. Très beau poisson. Moi, je te propose, c'est qu'on passe au poisson suivant, parce que ouais. On va avoir de l'activité plus individualiste, c'est-à-dire avec des ondes peut-être indépendants, ouais. Qui seront plus faciles. Et puis, j'ai vu quand même un ou deux gobages sur le milieu. Ouais, il y a eu quelques petits gobages sur le... Ouais, tout à fait. On va essayer quand même de...
Ces poissons-là, si tu les as pas présentés du premier coup comme il faut, des 10 premiers coups comme il faut, ça devient de plus en plus dur. Mais t'as vu, c'est marrant parce qu'il y a quand même... Il y avait une grosse activité quand on est arrivé. Non, ils n'étaient pas très actifs. Excuse-moi, j'ai failli tomber. Ils n'étaient pas très actifs, ouais. Mais ils étaient prenables. Mais pas les 5, ça c'est sûr. Ils naviguaient, ouais, c'est vrai. T'as vu les ombres, mais regarde, on n'a pas vu la vipère là. Regarde, regarde comme elle est belle. Regarde un peu. Ouais, elle est grosse pour une vipère. Elle est à son mètre sans problème celle-ci. Hein. Elle est grosse pour une belle maîtrée. Hein. Mon Dieu, regarde ça comme elle est magnifique. Regarde, elle tourne la tête, elle va monter tout doucement. Là, c'est de la vipère au sillon qu'on est en train de faire. Elle s'est regroupée, t'as vu? Regarde là. Voilà. C'est celui-là. Ah non, ouais. Il y en a un qui est là. Il y en a un qui vient de se remettre devant nous. Oui. Alors, et il y en a un au-dessus. Et t'en as deux, trois. Celui qui ils vient sont alignés les uns derrière les autres. Top. Attends. Allez, vas-y, il vient de gober. Il vient de gober. Vas-y, attends, je passe ma canne en arrière. Petit réglage en passant à gauche. Super. Oh, ah, t'as vu? Refus. Essaye voir un tout petit peu plus loin. Peut-être pas assez haut. Ouais, voilà, comme ça, c'est parfait. Hop, voilà, génial, magnifique. Superbe. Encore un joli poisson, hein. Ah oui, c'est que des jolis. Ils font poissons. C'est des briques. Regarde, il est en train de nous faire la danse de... Il fait une danse sur la queue, celui-ci. Un joli poisson d'une quarantaine de centimètres. Hein. Facile, hein. Ouais, superbe. Ils sont magnifiques, ces poissons. Attention, regarde. Hop, la canne, zouk. On va se faire ça comme ça, voilà. Juste celui qui est dans la turbulence, là. Légèrement sur la droite, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ah, ils sont... ah ouais, regarde, avec le soleil, là. Pendu. Bravo. Tu l'as vu se déplacer, ouais. Magnifique, hein. Bravo. Ça a été incroyable. Regarde ce... comme ils sont beaux. Mais t'as raison, tu vois, ce coup de planter. Ah bah oui. Toi, moi, j'ai tendance à arrondir un peu trop. Si ta soie se pose avant, c'est clair, hein. Tu perds la dérive. C'est clair, ce coup de planter, comme on dit, blocage à 10 heures, c'est vraiment important. Hein. Tu dois faire une pichenette. Ouais, exactement. C'est ce qui permet de pénétrer vraiment. Après, il y a des lancers que je fais spéciaux pour au contraire, faire un parachute. Ouais, voilà. Tu vois? Ouais, parce que tu as besoin de plus pour laisser descendre. J'assouplis tout. Ouais. J'assouplis tout, mais par contre, il faut que ça soit... J'ai pas ta main hypnotique. Parce que toi, tu as une main hypnotique. Un jour, tu m'as dit que tu m'expliquerais. Regarde, moi, je sais pas pourquoi, quand je les prends, ils tournent dans tous les sens. Mais regarde comme il est beau, celui-ci. Il y a un petit planté sur le côté, là. Regarde-moi ça, un peu comme c'est magnifique, ce poisson. Oh, superbe, hein. Magnifique. Très beau poisson. Magnifique. Il était magnifique, celui-ci. Alors c'est sûr que là on n'aurait pas de vent et plus de lumière. Ouais, là on doit perdre 8 poissons sur 10. Hein, Ouais, parce que t'as vu, on en a pris un. T'en as fait un, t'en as refait un deuxième en sèche, je viens d'en refaire un. Mais ça veut dire que la ligne, elle est. Là il faudrait presque se décaler, toi, de là. Tu
Tu veux mais que je... Non, mais on sera trop profond. Ouais, parce que là, donc y a... on va moins polariser. Ouais. En fait, par contre, je vois des poissons là-haut. Écoute, j'ai un peu de mal avec eux. Pourtant, je suis sur un caillou. Tiens, regarde. Là, t'as vu le gobage? Va, vas-y, t'en sèche. Attends, celui-là, je vais l'essayer en sèche pour voir s'ils sont pas plus réactifs. Par contre, j'ai vu une gober un poisson juste avant, carrément en bordure. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ouais, magnifique. Voilà, magnifique. Ils sont quand même plus réceptifs Et je crois qu'ils sont plus réceptifs en sèche qu'en... Oh, il est gros, oh là là. Ça fait des placards, mais ils sont vraiment... ils ont une hauteur et une couleur magnifique avec ces belles taches rouges sur le flanc. C'est un peu grâce à ça qu'on les repère d'ailleurs. Hein. Ceux-là, il faut qu'on change la nymphe pour si on a d'autres poissons là. Il faut mettre un genre de faisan de telle. Ouais. Ou avoir une tête orange, tu vois. Ok, je vais y essayer. Je pense que quelque chose de plus planant, de moins agressif. Un peu moins coloré. Un peu moins vif, non, tu veux dire. Moins agressif en nage, tu vois. Ah ouais, ouais, complètement. En fait, quelque chose qui est comme une sèche sous l'eau. Qui... Plus planant. On va changer la musique. Ces deux là-bas, celui-là là-bas. Les deux sur la belle plaque là-bas. Sur la plaque. Parfait là. Allez. Là, il faut juste les faire tomber. À peine plus à gauche. Ils réagissent pas. Hein. Est-ce que tu veux faire un passage en sèche? Ouais. Dernier passage en nymphe là. Il y en a un qui est là, qui est dans cet axe-là, qui va peut-être réagir. Non, il veut pas. Attends, je te laisse. Vas-y. Et au niveau des gros cailloux, on est pile dans l'axe. Il y en a un qui a décalé, hein. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais viens voir. T'as mis quoi comme imitation là? Un sedge. Un petit sedge. On va monter un peu. T'as les petits éphémères olives? Non, sais... mais c'est pas ça. Tu penses que c'est pas ça? Bah regarde, je viens d'en prendre trois en sèche. Toi, quand il n'y a pas d'éclosion, ils arrêtent. Alors, remarque, t'as raison, il y a un petit sedge qui vient de sortir dans la bordure. Allez, vas-y. Ah, puis il y en a deux juste sous nous. Un plus à droite. Ouais, voilà. Mmh.
En nymphe. Allez, on enchaîne avec la nymphe. Je vais juste contrôler. Ça va être un peu court. Hop, on prend un tout petit peu de soin. Ils réagissent pas du tout. Alors après, il faut dire que tu as mis une nymphe un peu plus légère. Tu veux ? Ouais, c'est vrai. Et là, je remettrais presque l'autre nymphe. Tu veux ? Attends, je refais un tout petit passage comme ça. Là. Là, c'est bien dans l'axe. Petite risée de vent. T'as vu l'autre qui est revenu par derrière encore une fois ? Ils viennent par derrière quand, quand on décolle la nymphe, mais ils vont pas plus loin. Alors attends. On va aller récupérer ce que j'ai mis dans l'arbre. T'as changé un nymphe ou pas ? Là, j'ai changé un nymphe. On va mettre quelque chose un tout petit peu plus lourd, je pense. Ah, celle que tu... Celle, je l'ai, Jean-Marc. Je l'ai mise sur mon... Ouais, mais celle-là, parce que de toute façon, moi, j'ai tout prêt avec ça. Toc, 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 toc. Elle est là. Voilà. Parfait. Oh, gobage, là. Là. Moi je te propose de monter un petit peu parce que ces poissons sont pas actifs. Ouais. On va monter un peu. Ouais. Essayer de trouver des poissons qui sont plus. Ils sont pas actifs et pourtant. Un peu plus actifs. Hein. Ils sont pas actifs et pourtant de temps en temps ils décalent un petit coup quand même. De quoi ? Il y en a un qui vient de décaler légèrement mais bon. C'est pas. En fait le but c'est souvent de rester campé à sa place pour qu'ils reviennent dans leur position. Et dès qu'ils arrivent, boum, tu perds pas de temps. T'attends pas. Tu les prends par... c'est un peu comme un saumon quand il arrive sur un poulpe, c'est là qu'il est mordeur. Je mets ma canne en arrière et je vais me décaler légèrement. Là, c'est des petits poissons, hein, normalement. Ouais, c'est peut-être pas très gros, tu crois ? C'est marrant, tu vois, c'est gobage depuis ce matin. Il y a pas de, on voit pas de mouche qui passe. De temps en temps, là, t'as une vu, petite ça, c'est éphémère. Un gobage d'émergence. Hein. Ouais, c'est ça. Attention, c'est... Là, j'ai oublié de regarder exactement où il était. Bah, regarde, tu vois les feuilles qui passent ? Oui. Eh ben, c'est à ce niveau-là. C'est dans la zone des feuilles. Ouais, non, mais c'est la distance que... Ah, il s'est mis carrément à 90 degrés à la droite, il le prend. C'est ça, la pêche. Hein. J'ai voulu changer la taille de la mouche. Ouais, tu y as mis un truc trop gros, là. Un poisson là, regarde, carrément sur la bordure. Tu vois plus. Il y a un poisson qui traîne là. Si je le vois.
Ouais. Oui, je le vois, ça y est. Il est encore sur la bordure. Il est venu, il a tourné, il s'est remis dans ta soleil. Repose où t'as posé. Je le vois à peine. Non, t'es trop sur la bordure. Il s'est décalé à la pointe de la branche. Il va revenir. Il prend. Oh, le magnifique. Voilà. Et c'est une truite ? C'est une truite. C'est une très belle truite. Je t'ai persuadé que c'était un ombre. Non. Je l'ai vu au gobage. Quand j'ai vu, j'ai glouque. Et je t'ai annoncé truite. La façon dont ça a gobé. Allez, on se fait un petit pari. Elle fait combien d'après toi ? 50. 50, mon garçon. Allez, je dirais comme ça, vite fait vu. J'annoncerai un petit 38. J'aime bien la prendre dans la main. Moi. Là, tu préfères la main, toi ? Ouais, je mouille la main. Alors, vas-y. J'ai pas besoin. Elle est belle, hein ? Ah ouais. Oui, voilà, et à la 140 sans problème. Hein. Alors attends, on va la mesurer, Vincent. On est à 20. Ben, allez, on est même à 42, 44, sans problème. 48, non ? Non. regarde la bombe. On lui dit. Hey, c'est une bombe. On lui donne un bon 44 sans problème. Ouais. Magnifique. Super coup de ligne. Super. Ah ça ouais. C'est des coups de ligne magnifiques. Magnifique, hein.